sénateur Marco Rubio, le sénateur de l'État de la Floride, ouais. Eh bien, ils font gros intervention pour Haïti en faveur de l'armée d'Haïti. Ouais. Il y a un texte de Jean-Manuel Jean-François, donc notre ami, donc les amis Matin Débat. Marco Rubio plaide pour un renforcement des forces armées d'Haïti, je le dis à Yves. Ok. Le sénateur Marco Rubio, figure bien connue de la scène politique américaine, yeah, a fait une déclaration importante ce vendredi 12 avril 2024 concernant la situation critique de la sécurité nationale en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est, qui côté, ou attendez et regardez en même temps la vidéo. L'autre fois, on a dit bienvenue sur la pour une nouvelle vidéo. Et bien, bonne nouvelle pour la médaille. De l'autre côté, il faut qu'on ait pays Canada, lui-même, lui salue publication décret qui nomme conseil présidentiel. Il y a un petit temps après, et bien, décret, s'il a été fini, créé, et bien, n'a publié dans le journal Le Moniteur pays d'Haïti hier vendredi 12 avril 2024 la administration Biden a déclaré que même il bail 60 millions de dollars pour dossier force là comme même républicain yo pas de vouloir lâcher par rapport de yo même yo pour connait qui ça qui d'après le faire comme là c'est non ça te fait connait bandi exam tout yé policier Pierre Fritz Chenel lui-même qui fait partie 28e promotion PNH là hier vendredi 12 avril 2024 là yo l'autre côté ben n'a faut connait tout de suite après conseil là te fin installé et mes Port-au-Prince lui-même c'était balle qui t'a pété c'est comme si on l'a appelé balle qui t'a pété et comme si m'dadou conseil ici là lui-même li pral wè tout coulé dans Houssayou là dans Gonaïve la police a arrêté Denis Limagène lui-même qui c'est un jeune garçon n'a venir avec tout point ça pour avec un pilote encore que nous pour vous mais avant même nous entrer dans point ça qui domine actualité si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça pas hésiter abonnez-vous avec channel là activer la cloche notification pour la mettre sur tout pour pas rater aucun vidéo pas oublier quitter un like sur vidéo et partager le tout avec vos amis vos familles une façon pour aider nous grandir communauté channel là restez juste dans fin vidéo on a faut entendre avec Louko Desi dossier la médaille d'Haïti selon le journal Miami Herald il a exprimé son soutien à l'aide en faveur des forces armées d'Haïti. Lors de cette déclaration, Marco Rubio a souligné l'importance de soutenir les soldats des forces armées d'Haïti qui collaborent avec la police nationale d'Haïti dans leur lutte contre les gangs armés. Un point clé de sa déclaration concerne son souhait de revoir l'embargo sur les armes imposées aux forces armées d'Haïti, considérant qu'une réévaluation de cette politique pourrait renforcer la sécurité nationale haïtienne. Cette déclaration aurait dû captiver l'attention des médias haïtiens. On pouvait s'attendre à des réactions de la part de dirigeants politiques ainsi que des anciens militaires experts dans le domaine. Il est regrettable que depuis des décennies, Haïti subisse un embargo qui entrave le renforcement de ses forces armées. Il est crucial de débattre de cette question à un niveau international pour réaffirmer la nécessité d'une armée moderne et équipée en Haïti. Il est temps de cesser de se plaindre et d'adopter une approche proactive, à la fois volontariste et pragmatique. Le sénateur Rubio a ouvert une voie à suivre pour demander au gouvernement américain de lever cet embargo sur les armes. Il est désormais nécessaire de mener une discussion sérieuse sur la sécurité en Haïti, une question qui mérite l'attention de tous les citoyens de bonne volonté afin de sortir définitivement Haïti de cette impasse sécuritaire. Emmanuel Jean-François, on ne fait parler avec le colonel Imla Rebi le matin à tout. Oui, font coup de fil pour nous rapide là. Téléphone en discharge. Et font coup de fil pour nous. Font coup de fil pour nous parler avec le colonel. L'importance, premièrement, non sénateur ça tout connait aux États-Unis. Deuxième bagaille là et me connaît est-ce que monsieur est un républicain ou un démocrate? Monsieur c'est républicain. Républicain. Lui extrêmement important. Et troisième bagaille m'a demandé toute autorité et me dégab de haïtien qui l'autre bois monde qui n'a pas le moment, vous comprenez? Que député ou bien sénateur fait effort pour nous accompagner sénateur ou bien dans salle d'ia. Dans position que exactement. Donc nous t'adouer saisir ça. Non, parce que si bataille là, si sénateur a dit, li tout porter bataille là dans congrès. C'est clair. Et si c'est dans congrès, il y a bien moins hypocrisie. Et ça me dit là. C'est là pour aucun bataille là parce que la vérité, c'est qu'on vote qui fait dans congrès aux États-Unis contre la mer. Et c'est la même pour bataille là le fait. C'est vrai. Même penser que toute
de quatre citoyens leaders haïtiens, il est vraiment non ça pas gain démocrate, pas gain républicain, mais si, lorsque son républicain li plus bon pour nous surtout, nous trouver que démocratie pèse Haïti trop. Comment ça veut dire là faut que tu as poté collé avec sénateur pour faire bataille ça pour permettre l'armée à retourner. Parce que c'est bataille ça même qui pour permettre à ce que l'armée d'Haïti retourne sous pied. Très bien, très bien, très bien. Alors, madame, monsieur, ça pour nous comprendre, c'est que gon politique avec l'armée d'Haïti, avec Haïti, sous question de l'armée. Parce que dossier l'armée, les gens d'Haïti étaient autorisés pour démobiliser l'armée, pour craser l'armée. Donc, c'était Américain qui devine là, qui prend tout dossier l'armée, aller avec lui. Tout archive l'armée. Tout archive l'armée net. Tout gros âme. Tout gros âme. Tout ça nous connaît. Il a quitté l'hélicoptère. Il a quitté l'hélicoptère. Très bien. Haïtien, gouvernement, vanni. Donc, c'est Américain qui allait avec tout archive et l'armée, madame, monsieur. Et depuis là, ça, ils mettent en bago aux âmes. Et que Haïti pas capable d'acheter des âmes, vraiment. Et ça fait que l'armée qui l'a. Mais Haïti achète des âmes. Haïti, officiellement, l'État haïtien pas capable d'acheter des âmes. Mais Américain, il y a possibilité pour vagabond et vagabonde acheter des âmes. Non, on met répéter ça. Contrat ça m'barre. On met répéter ça. Américain, il y a possibilité parce que Américain il y a possibilité pour vagabond, malfrat, des âmes, malfrat, tout qualité vagabond. D'ailleurs, combien d'âmes c'est la donne blanc fait Américain, blanc américain même fait comme. Très bien. D'ailleurs, il y a des sénateurs américains qui connaît impliqué le vendre des âmes à travers le monde. Très bien. Là, dit-il, on rencontre là. Donc, colonel, il est très bien. Donc, ça veut dire que je dis à là des vagabonds à costume, toute qualité vagabond, soit dans la diaspora, soit ici dans le secteur privé des affaires, abachent des âmes en bas aux États-Unis, l'âme en bas, aux États-Unis, d'ailleurs, pour acheter des âmes aux États-Unis, ou pas, n'y a que des cachets, quoi, ces âmes, non. Et pas cachets. Non, pas qu'un cachet. Donc, ça veut dire que, Américains, c'est là où on fait combien, il y a une bande de paroles, moi-même, pas prendre la parole, ça va, parce que nous connaissons ça, chaque la connaît, l'autre la connaît, tout, moi-même. Ok, nous connaissons bien, nous connaissons l'information, que nous connaissons nous-mêmes, c'est ça nous fait l'argent. Nous propose nous mettre en bas à gauche Haïti pendant qu'il a pompé nos âmes. Toutes âmes qui passent, viennent là, c'est États-Unis qui sont sortis. Toutes âmes qui sont sortis, c'est États-Unis. États-Unis. Ok. Ils passent par Deus de Dominicani, ils viennent là. États-Unis. Donc, Américains ont gagné capacité pour être capable de freiner ça. C'est vrai. Ils pas freiner parce que c'est là de faire l'argent. À une cacamoun là. Donc, cette sortie en fait du sénateur Rubio, nous t'a doué, nous-mêmes saisir l'opportunité ça pour nous ouvrir un débat sur lui. Ok. Pour nous ouvrir un débat sur lui. Parce que écoutez, comme un gars qui est clair, il faut nous comprendre ça. Pour tout ce qui a passé dans le pays en question en matière d'insécurité, et puis l'armée là, ok, occupe jeune garçon, jeune femme que l'État paye, qui voulait goumer, qui voulait au même participer pour yon question d'insécurité, sur de capable résoudre, yon voulait bataille là, yon voulait le goumer à bandit, et puis yon pas venu l'autre aucun côté. Par contre, yon là, bien gras, yon mangé, yon boué, et puis pays yon pas baillé réglé en yon pour yon. Non, ça paraît un peu bizarre. Comme si la main là, et puis comme si pour bâtir tout bas dans le pays. D'abord, même comme si la main là, ok, t'es gagné l'ordre. Gagné le gars qui t'a campé. Gagné le bâtir qui t'a campé. On est là, Kao, qui c'est mon et Gonaïve, et qui n'a pas tête défense là. Qui est-ce? Enol Joseph, mon cher. Enol. Représentant Kid. Enol Joseph, ce soit chef ou pas chef. Vous êtes ministre de la Défense. Nous connais dernièrement là, ça pas longtemps où tu allé au Brésil, où tu as rencontré avec ministre de défense brésilien, ou rencontré un ministre de défense américain, ou rencontré un ministre de défense canadien, qui joue pas la veille. Elles sont mettées tête en bas, elles sont baissées tête ou pas la veille, pour parler avec un grand monde. Et non, Joseph, ministre de défense, comment parler avec vous? Ou j'aime te parler, même fois. Mais il te parle avec moi, là. Il parle avant. Mais faut qu'on dise. Est-ce que j'aime entendre que le ministre de France prend une position dans le pays? Mais c'est la problème. C'est une question de sécurité dans le pays. Mais c'est la problème. J'aime entendre. Et non, Joseph, faut qu'on prenne position. Soit faire la mea. Est-ce qu'on déploie la mea? Par exemple, le président, c'est au chef la mea à ce moment-là. Et non, il va pour prendre position, monsieur. Non, position comme si pour mais on va t'attendre voir. Justement, regardez, l'autre position, Louko, c'est lorsque vous prononcez en faveur ou bien contre un bagage. Et non, il va pour agir comme ministre de la Défense. Et pas seulement non. Les autorités en soi, ils ne pas là. D'ailleurs, dans sa la journée, je dis, nous ne sommes plus ni à l'heure, ni à l'air de discours. Correct. Nous ne parlons pas les français là. On parle de agir. Moment, c'est agir. C'est agir. Ni dans le moment, ni dans l'air pour faire discours. On va c'est étape discours déjà. C'est agir, les En tout cas, et non Joseph, ou sorti dans Kid, son gros parti politique, nous saluons Evans Paul dans ce moment-là, ok, nous saluons Maître Demeza, ok, qui c'est de grands hommes politiques dans le pays, monsieur Mbappé Badmati, et non Joseph, faut qu'on clair, soit démissionné, qui bon? Oui. Et ministre de Défense, mais comment est-ce que vous ministre de Défense, monsieur? Démissionné. L'ancien ministre de Défense, c'est gros bagarre dans le pays. Oui. Oh! Non, même si je ne suis pas capable de me débrouiller. Le grand ministre de défense. Oh, il y a un sort de défense dans tout.
Quand tu as défendu là. Ça a mis des sables défendus. L'or est tourné dans nos pays. On ça a été pour défendre. L'or est tourné. Pourquoi ça va être deux fois elle mine mais oui. Ça, j'aime défendre. Gué ça tout, frère. Bon, en tout cas. Bon, parce que dossier, en fait, les déclarations, en fait, la position du sénateur Marco Rubio, nous-mêmes, Haïti, nous avons vraiment donc, saisi l'opportunité ça pour ouvrir débat sur question la mer, sur question embargo que États-Unis imposé à Haïti. La question ZAM, ok, pour la MEA. Et je veux dire, nous allons plus loin pour nous dire, pour qui ça, la MEA, je veux dire, la force armée d'Haïti, ok, il n'y a pas impliqué, il n'y a pas engagé dans la bataille contre le banditisme donc, en Haïti. Il y a des formations pour ça, et il y a équipé quand même quelque part, ok, côté l'ordre, la, l'ordre qui pousse de son côté. Pour qui ça, y a pas, la MEA, pas, je veux dire, il n'est pas au service de la nation, dans ça. Qui gagne comme situation d'insécurité donc actuellement en Haïti. Dans le dernier parler, je parlais avec le ministre Dorneval, ancien ministre de défense PIA. Il a diminué 5 000 hommes de troupes. Oui, dans la mer. Dans la mer, oui. 5 000 hommes. Oui. En 2021. Oui. Matin. Mm-hmm. En 2021, oui. Il a diminué 5 000 hommes. Et c'est monsieur qui fait me connaître que il a commandé des armes pour la police et pour l'armée. Il a fait la police cadeau en 200 la donne. Par contre, quand ça, oui. Bah, on s'est passé dans la mer. Mais que finalement, vous avez dit. Mais monsieur le ministre, monsieur le ministre, ou qui explique à ce pays? Oui, mais actuellement, la mer est Zamboula. Actuellement, fait comment Zam? Actuellement, la mer est Zamboula. Vous avez fait comment Zam? Bah, on s'est américain, vous avez bloqué comment là? Mais on connaît, vous avez fait comment Zam? Pour l'armée, et vous avez annoncé que la fête, la police cadeau 200 là-dedans. Très bien. Comment l'américain bloqué? Mais c'est vous. On peut y aller. On l'a payé bloqué. Oui. L'armée. Et parallèlement, non, américain a équipé l'armée vagabond en Haïti. Oui. Américain, on ne fait pas avec nous-mêmes, on ne peut pas nous dire. On ne peut pas avec nous. On ne avec nous-mêmes. C'est pays que je moi-même. Mais fleurir dans le pays, mais ouvert comme dans le pays, mais je marche dans le pays, nous empêchons de marcher dans le pays. Et on ne peut pas le chute à la caille nous. Comment ça mais je ouvert comme dans le pays, moi-même. Américain, suspend, bloquer les bagages dans le pays d'Haïti. Vous avez demandé à Haïtiens, je dis à vous demander à Haïtiens, nous avons besoin de nous aider dans nos batailles aux États-Unis. Voilà que un sénateur qui gagne non. Oui, sénateur Rubio. Eh bien. Alors, et nous dérapé le colonel à renforcer. Est disponible dans un moment là de mettre les passements sur le terrain. À renforcer et démarche sénateur à faire. Ou nous mandé haïtien à renforcer lui. Correct. Eh bien. Pour payer nous parce que toute chaque fois moun dit nous ça ça pour nous faire et pas nous faire. N'a fait bagaille hypocrisie. À renforcer mettre tête ensemble à renforcer position ça. C'est lui-même qui a marché, c'est lui-même qui est bon parce que nous besoin de l'armée, nous retourner back dans le pays. Ah, si nous parlons fossile. Et moi, avec Paul de Pepe, je parle avec elle. Mais ce matin, tout, j'ai l'impression qu'il a pris ce matin. Hein. En tout cas, avec Lélé Abba. L'autre information que nous portons pour vous, il faut qu'on ait policier Fritz Pierre Chenet tombé en babal bandit hier vendredi 12 avril 2024. Là, les gars, tout y est, et bien, monsieur, hier vendredi, et bien, monsieur, qui c'est un policier qui c'est. Pierre Chenet, les mêmes qui dans zone bo l'hôpital Benabiz, selon ça syndicat la police là les mêmes ni posté qui c'est Sinapoa agent 28e promotion les mêmes l'étape sorti dans village solidarité mais les individus examinés eux-mêmes ils ta assassiné là d'après ça Sinapoa fait qu'on est sous compte X li, et bien agent les mêmes l'étape travaille dans commissariat aéroport cependant après-midi hier et bien li perdit la ville en babal bandi yo même qui t'est attaqué policier Chenet qui c'est 14e promotion qui tombé à cause des zak bandidis yo même yo fait sous li et ben ça qui augmenté chiffre que réseau national la cap défendre droit monde dans les mêmes côté le tibay 3 premiers mois ça qui sont passé là et ben c'était sorti pour arriver 10 avril seulement qui sont passé là ouais li là policier si la li même li tombé en babal nèg exam qui continue à simayer la terre dans pays a vendredi 12 avril 2024 là ben gouvernement de facto a sorti dans journal officiel pays d'Haïti qui c'est les moniteurs et ben non 9 membres qui fait partie conseil présidentiel transition selon arrêté création conseil présidentiel transition et ben couli là et ben l'en considéré que pas gain proposition constitutionnelle pour permettre nous qu'embé vide institutionnel ça yo par rapport avec situation que n'a vive dans pays l'en considérer li vraiment impossible pour nous te joindre un dialogue en différents secteurs national pour trouver dans cadre juridiction nationale la une solution consensus
pour retourner dans la normalité institutionnelle avec état droit. Et bien, elle considère tout dans quatre déclarations finales 11 mars 2024 là, et bien communauté Caraïbes qui c'est CARICOM avec partenaires internationaux qui ont établi un dialogue entre Haïtiens pour yon même yote campé gouvernement transition pacifique ça dans continuité l'état. Et bien yon prend action si la li même qui efficace pour sécurité dans yon temps qui coûte organiser élection libre avec juste que yon fait konnen. Yon l'en considéré à fonction engagement premier ministre de facto Ariel Henry a bien pour présenter démission li après nomination conseil premier ministre là lui-même avec la trier qui a gagné dans ça conseil présidentiel transition ça lui-même qui gagne date 7 membres des observateurs et bien sous demande communauté Caraïbes qui c'est CARICOM avec ak partenaire lui-même finalement publié dans journal Le Moniteur dans numéro spécial 46 hier vendredi et bien pourquoi il est là 17 septembre 2021 pendant ça et bien n'a pas bloqué membre conseil présidentiel transition ça qui c'est Edgar Leblanc fils collectif 30 janvier Leslie Voltaire famille Lavalès Louis Gérald Gilles Accord 21 décembre Smith Augustin Red et Edé Frinel Joseph lui-même Fritz Alphonse Jean et bien Accord Montana Laura Saint-Cyr représentant secteur privé Emmanuel Vertilier représentant parti petit Dessalines c'est non ça qui publié là pourquoi il est là information si là lui même il pas dans bien caché l'ombre encore il déjà officiel parce qu'il publié dans le Moniteur car comme bien rapide et bien yo féliciter décret qui nommé conseil présidentiel transition quelques temps après gouvernement a fin publier décret qui bail conseil présidentiel transition hein, et bien lui-même liberté pour diriger transition en tête pays a et bien communauté Caraïbes là qui c'est CARICOM réagit pour féliciter décret ça qui prend et bien pour faire connaître que membre côté par eux même yo d'accord avec accord si là et bien sûr accord politique qui précise mission conseil là lui-même li gen pour accomplir chef gouvernement communauté Caraïbes la féliciter nouvelle là jodi a et bien par rapport avec publication décret recréation conseil présidentiel transition création conseil neuf membres en mode politique large et puis yo même yo pral bay si pour possibilité qui gagner pour gagner un nouveau chemin pour Haïti selon ça yo fait connait hier vendredi 12 avril 2024 à l'autre côté par rapport avec document qui portait accord politique pour une transition pacifique et puis dans l'ordre et bien membre conseil là t'ai publié dans jour passé au car comme dit il a approuvé article 16 là là-dedans article 16 là il dit mission conseil présidentiel là c'est pour remettre Haïti dans haute dignité légitimité démocratique stabilité et puis assurer bon fonctionnement dans institution l'état pour continuer et bien si nous croyons ça, nous même dit à ces problèmes de sécurité, et bien, ces premières batailles conseil présidentiel, là, les mêmes l'état de main après installation dans sa chef communauté Caraïbes qui était arrivé, et bien, fait acte haïtien au chita ensemble pour mettre malgré toutes difficultés, nous même y a continué à aider peuple haïtien. Et bien, dossier si là, les mêmes qui continue à faire balampil, n'a pas rappelé, même conseil présidentiel, là, t'es annoncé qu'il a commencé travail sous élection, et bien, qui t'a doué gagner dans le pays depuis dans trois premiers mois installation. Fait quoi tout y a mené un conseil électoral provisoire avec neuf membres et ben moun sa yo même absorbé dans divers secteurs dans pays d'Haïti c'est ça elle s'est parlé bien rapide n'a faut qu'on ait conseil ça a monté Jeff Canard qui sont chef gang qui tout puissant et ben lui-même il était déjà parlé là il fait qu'on est yo pas qu'on conseil c'est ça peuple là yo même yo besoin faut qu'on ait tout partisan Guy Philippe yo même yo marché dans la rue Port-au-Prince pendant journée hier vendredi 12 avril 2024 là pour dire non yo pas parler conseil présidentiel neuf maintenant et ben yo baptisé décret présidentiel et demandé installation Guy Philippe pour diriger pays d'Haïti bagay sa nou pa konn kote l pralé men nou deja wè l ap fè an pile parler an pile nan peyi d'Haïti parce que quelques minutes après yo même décret sa te fin publié côté ki créé conseil présidentiel la et bien nan journal officiel Le Moniteur et bien capital la li même li té tourné yon espace côté c'est son bal ki t'ap tremblé tant des oreilles tout moun ki t'ap vive là-dedans pendant après-midi hier 12 avril 2024 là et bien bagay yo déjà commencé mangomé nan dossier ki gen pour avec dossier conseil ça li même ki prend tête pays a est-ce qu'il a capable ba yon solution bien vite nous pas connait nèg examen yo même ki fait connait yo vinn pi violent là yo pi violent
et selon journal loukou t'a bay la pour nous ta une solution ak pays ka bon et bien la meya ta supposé tourner sous pied sa gien terre la gien Philippe Dil la meya li même li ta capable résoudre li si toutefois ta gien volonté politique et bien li pas rien qui hors de la loi ou bien qui trop dépasser ces forces multinationales pour nous ta joine et bien pour ta vin fait la police dans ville Gonaïve a arrêté Limogène Denis lui-même a hier vendredi 12 avril 2024 là qui t'a fait partie base gang Kokourat sans race qui c'est une gang qui détruit yon parti dans département la Tibonite là dans pays d'Haïti selon plusieurs membres population et bien Limogène lui-même c'est spécialisé lié dans vide gomme galon boulé sous peau monde qui donc nous connaît gros acte ça nèg y a fait et bien selon population et bien monsieur ça yon nèg qui bien fort nan boulé pour gom galon et bien la gueule sou moun lè yo même yo kidnappé yo pour capable forcer parent ou payer l'argent pour gang nan li même li ka d'accord la gueule moun nan et bien yo kidnappé yo n'a rappelé la Tibonite gagne gang Kokourat sans race gagne gang ça vient qui gagne base gang griffe qui donc plusieurs autres gang tout qui existait depuis année 2017 yo après élection yo même et puis la police pa jam détruit yo et bien c'est comme si gang yo même yo gen droit exécuter et puis cohabiter sous territoire avec force l'audio parce que pas gain trop gros action qui mène elle rappelle une autre balle même te qu'on a parlé de qui n'est qui te balzam rien pour que j'aime fait et bien les yo continuer yo même y a fait ça y ouvre dans département la Tibonite la pays Canada salier publication décret nommé conseil présidentiel là bien c'est ministre affaires étrangères lui-même qui c'est Mélanie Joly il fait qu'on est sur compte X que il ira possible pour dire création conseil présidentiel ça lui-même li dans bonne direction pour établir l'ordre public sécurité avec démocratie dans pays d'Haïti on l'autre côté un petit temps après tout décret lui-même il te fin créer conseil présidentiel là côté il te publié dans journal l'humanité hier vendredi et bien administration Biden là décaissé 60 millions de dollars pour soutenir déploiement force mission multinationale là et malgré congrès américain lui-même l'été calcitrant face avec décaissement s'il a mais ça il déjà fait tout c'est dans dossier qui vient pour avec dossier force mission multinationale ambassade américain dans Saint-Domingue et bien il fait qu'on est qui a continué veiller plus près catifi haïtienne qui agent immigration dans Punta Cana té violé et bien dans un message ambassade là lui-même il publié responsable affaire lui-même qui c'est Patricia Agui Lela lui-même dit yo d'accord ak action rapide autorité dominicaine eux-mêmes yo prend pour éclaircir dossier si la qui gen pour avec dossier viol que agent immigration République dominicaine eux-mêmes yo te fait sous timi dame haïtienne ça lui-même qui c'est une petite dame de 14 là nécessairement qui c'est un mineur qui donc nèg c'est nos ben ça immigration ça eux-mêmes yo continuer dans zak malhonnête ça y a fait sous haïtienne et c'est pas un seul ni sortant de qui prend réseau qui prend journal pour yo c'est pas seulement zak ça fait majorité haïtienne depuis illégal nèg yo mette men sou yo et bien yo même yo souvent rete bébé yo pa parler parole là et bien c'est une cause qui fait ou pas attendre matin midi soir que y a dou que République dominicaine côté immigration eux-mêmes yo continuer violer fois passé à l'Estendia yo te montré une femme noire qui était guté violer comme quoi c'était une haïtienne qu'elle était lui-même nèg yo violer mais heureusement c'est pas haïtienne c'était une dominicaine tête lui-même qui pas fin droite après famille t'a prendre tout tête pas droite là et bien agent immigration République dominicaine yo pas de compte dossier a fait tête pas droite qui donc yo te violer sans aucun problème a veut dire pour rentrer Saint-Domingue ou belle femme et bien immigration non seulement y a paré tout et bien yo violer facilement c'est un cas qui paraît souvent en République. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier youn nan pi meye façon que ou ka fè ou capable fè santi travail n'ap fè arrivé sou c'est le ou kite yon like sou vidéo a et le ou abonne avec channel la tout pas oublier activer ti cloche notification mettre le sou tout yon façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous pote yon nouveau vidéo pou sou channel ça partager vidéo a avec yon zanmi ou yon fami ou yon façon li même pour capable joine information à tout et comme ça ou aider nous grandir communauté channel la.
n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là. Eh bien ou pas regret même une seconde que tu t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger. Eh bien ou pas besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a pas dit au revoir tout le monde. N'a pas revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.